Dépêchez-vous de faire le ménage dans le magasin, Madame Dupoulin, avant qu'on sorte le pain du four. Laura, tu vas pas rester de même. Comment ça? Et en 12 ans de mariage, t'as jamais vu cette mine-là? Ma parole, t'as même pas fait ta toilette. Ça fait 3 jours que t'as presque rien mangé, que tu restes enfermé ici quasiment tout le temps. Depuis que le syndic est venu faire l'inventaire, moi, je suis comme... Pas de cœur. Pas de courage. J'ai plus rien, moi. Je suis un pauvre que tu gardes par charité. Oh, ben arrête-moi ça. Tu vas pas faire une dépression pour une raison pareille. Qu'est-ce que ça te prend de plus, toi? J'ai honte, comprends-tu? Dans le village, dans Bâtisse, où j'avais installé mon commerce, c'est déjà à vendre. Mon stock est sous-cellé. Hein, la vente en faillite de Laurent Dantin, ici, à Sainte-Marie-des-Anges, est déjà annoncée. À part de ça, moi, je sais qu'il y a des créanciers qui toucheront pas une scène dont toi, tu fais partie. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Je te dis, je pourrai plus jamais regarder personne en face. Moi, tu veux que je pense à repartir quelque chose? Je suis un homme fini, fini. Qu'est-ce que je dois penser, moi? Qu'est-ce que je dois attendre dans l'avenir à propos de toi? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? T'es pas en perdition, toi. Y a rien qui change, c'est ta boulangerie. Mais pour commencer, c'est pas vrai. À cause de mes dettes, j'ai été obligée de renvoyer Marie-Mélie du magasin, puis je garde juste Robin pour les runs. Mais je pense pas que ce soit une bonne raison pour aller me jeter dans le rivière Waro, par exemple. Mon mari, mes enfants, puis moi-même, on est tous en bonne santé. On a tout un toit sur la tête, puis du pain sur toutes les planches. Fait que la vie continue, puis j'ai pas l'intention de m'organiser pour qu'elle soit plate. C'est vrai que par rapport à toi, il n'y a pas trop de drame. Tu dis encore une bêtise. Il y a ton drame, mais là, t'arrives au bout. On arrive au bout. Tu vas pas rester écrasé pour le restant de nos jours. Il faudrait bien que tu sois à ma place. Mais j'y suis à ta place. Je suis au moins ta moitié. Puis je vois pas pourquoi tout va être fini pour nous autres, parce que t'es en faillite. T'es pas capable de comprendre ça, toi. Tu peux pas comprendre que je veux plus voir de monde. Je veux plus voir personne. Moi, tu veux que j'envisage l'avenir? Veux-tu que je demande la carabine 30-30 à papa? C'est une comme ça qui a emporté la vie de mon frère dans les rues. Ah, tais-toi, tais-toi. Mais pourquoi que tu me dis que ta vie est finie alors que moi, je suis là? Je suis là, moi, à tes côtés? À moins que... Tu préfères te mettre à boire régulièrement pour oublier? Dans ces conditions-là, je suppose que tu vas venir ici pour nous casser la figure. Oh, c'était ça. C'était moi, ça. Oui, c'était toi. Moi aussi, cette nuit-là, j'ai eu envie de mourir. De mourir de chagrin. D'être frappée par mon mari. J'ai volé jusqu'ici, là, sur le coin du bureau. Si je savais là, qu'il pouvait y avoir une autre nuit comme celle-là, là, je pacterais mes petits, Laurent. Ou plutôt, je te ferais pacter ta valise. Puis je refuserais de vivre avec toi. Je veux pas que les enfants jamais te voient dans cet état-là. Parce que les enfants d'ivrogne, c'est pire que d'être des enfants de faillite. Vas-y, mon pauvre homme. Pleure. Pleure pour ton sou. Ça va tellement te soulager. Tu sais, il n'y a pas de honte à pleurer, hein? Après toutes les ennuis que tu as eus. Pleure. Après, tous les deux, après on va parler.
On va penser à nos petits. Penser à travailler ensemble à nouveau. À s'aimer. Annick, viens-tu? Coudon, Annick, es-tu levé? Moi, ça me fait rien, mais tu vas être en retard, il est 8h30. 8h30? Eh, Seigneur, j'arrive. Depuis tout à l'heure que je te crie, tu t'es dépêché. Il va falloir que je m'organise autrement. Je suis de plus en plus en retard à chaque matin. J'haïs tellement ça partir vite de même. J'ai fait ton lunch, en tout cas. Bon, oui? Tu m'as mis quoi dedans? Un sandwich au jambon, du fromage et puis deux pommes. Ah ouais, encore un sandwich. Je te dis, des fois, j'ai envie de les envoyer par la fenêtre. Te trouves-tu cute? Est-ce que je te règle? Oh, t'es quasiment trop belle, Annick. Ça me fait peur. Je te dis, des fois, j'ai peur de te voir partir. Mais voyons donc, Michel, il n'y a pas de peur à y avoir. Michel, j'ai quelque chose à te demander. Quoi donc? Si on était faim, on inviterait mes parents à souper. Ils sont jamais venus pour vrai dans notre maison. Papa, il est mieux de son dos. Je suis sûre que ça leur ferait bien plaisir. Je les ai pas mal délaissés depuis que je vis avec toi. Ah, oh, ben ça, c'est rien que normal, Annick. Hein? Ouais, pour ton idée, moi, je vois pas d'objection. Tu voudrais les recevoir quand? Ce soir. Ça leur ferait un petit repos du vendredi. Ce soir? Pourquoi pas demain, plutôt? Attends, toi, j'ai vu ça qu'il y avait des tas de bonnes choses de faites dans le frigidaire puis sur le comptoir. Oui, hier après-midi, j'ai fait pas mal de cuisine. Parce qu'évidemment, recevoir le vendredi quand je sors tard de mon travail. Ben justement, pourquoi tu ne reçois pas demain? C'est samedi? Non, mon samedi, je le garde. J'ai juste 2 jours par semaine pour traîner puis pour me reposer avec toi. Ben, mais pourquoi pas un soir la semaine prochaine? Ça ferait pareil, non? Mais pourquoi pas ce soir? J'ai déjà tout préparé. OK, envoie, invite-les. Je les aime, tes parents, tu sais. Je comprends, des fois, j'ai peur de les oublier, de devenir égoïste. J'aurais pas le temps de déjeuner encore à matin. Oh, non. Oh. C'est mauvais, ça, de partir l'estomac vide. Tiens, tu mangeras ça en t'en allant. Tu prends soin de moi. Ouais, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et que t'es fin. Je suis donc une femme chanceuse. Ah. Bye, à ce soir. Bonne journée. Toi aussi. Oh, lunch! Oh. Annick, Annick, ton lunch! Ah ben, je te dis, mon jeuneau, que c'est pas aujourd'hui que l'augmentation du lait va compenser pour le prix des moulées. Surtout avec la moulée que commande Joseph depuis quelque temps. Elle est peut-être bien bonne, pleine de suppléments, mais elle est chère en bébite. Eh oui, mais je pense que Joseph a raison. Tu vois, depuis 2 ans, là, j'ai acheté pas mal de vaches de race. Ça demande bien des soins. Mais ça va à peine. Ben, tu vois, à part mes 2 jeunettes, là, ben, toutes les autres vont veiller au printemps. Sais-tu ce qui me fâche le plus, moi? C'est quand les gens nous demandent ce qu'on fait avec l'argent qu'ils payent en plus sur le litre de lait. Ah. Comme ça, on mettait ça dans nos poches. Allô, les parents. Allô, Joseph. Salut, Joseph. T'as pas été long à Joliette? Oh non, le temps de voir comment ça marchait au bureau pour pas perdre contact. Mais tout est bien en ordre, bien propre à clinique. Le confrère qui répond à ma place est vraiment bien responsable puis bien sympathique. Et à part ça, l'assistante s'entend bien avec lui. Tout est pour le mieux. Ouais. Tu devais pas nous présenter, ce garçon-là, un beau jour, toi? Bien sûr, mais si ça vous dérange pas, j'y ferai une invitation un dimanche. Quand tu voudras. Pour parler de quelque chose de pas trop gay, c'est bien triste de voir le magasin de Laurent fermé, avec des grandes feuilles de papier brun en vitrine pour cacher l'intérieur. Ça m'a fait penser que quand je vais avoir fini l'ouvrage ici, j'irai faire un tour à Boulanger. Je pense que le beau-frère a besoin qu'on y remonte un peu le moral. Non, c'est une bonne idée, ça, mon gars. Mais ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est son histoire de boisson. La semaine dernière, c'est la police qui l'a trouvé dans sa voiture d'un fossé sur la 42. Il me semble que Laurent n'est pas homme à se laisser aller de même, comme ça. Enfin, pas pour bien longtemps. Vraiment, pendant ce temps-là, c'est notre Berthe qui est mal prise.
Croyez-vous ça, vous autres, que Laurent l'aurait battu, puis c'est de là que viendrait son black eye? D'après Marthe, il n'y a pas à en douter. C'est bien mon impression, moi aussi. Seigneur, Seigneur, que je suis donc inquiète des fois. Ah, craignez pas. Je vais aller aux nouvelles. Il faut que je fasse comprendre à Laurent qu'il n'est pas tout seul. Hey, comprends-tu les profs, toi? Moi, non. Pendant 2 semaines, là, ils nous ont pas mis un travail, pas un examen. On niaise. Puis là, tout d'un coup, là, une journée comme aujourd'hui, ils nous mettent tout en même temps. Toi, t'es tout le temps en train de chialer. Mais moi, là, une bonne fois, je vais me tanner de me plaindre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je le sais pas. Je le sais pas encore. Mais ça se pourrait bien que je m'en aille. Tu vas t'en aller, tout seul, de même. Non, pas tout seul. Hein. J'ai un chum qui viendrait. Ben, on va-tu finir notre fort en arrière? OK, mais avant, on va aller manger. Ben, c'est bien correct. Viens-t'en. Allô, les enfants? Hé, hey, François! Débarrasse les bottes, là, près de la porte. Salissez-moi pas la place. Comment ça va? Ça va bien. On a faim. On est contents. C'est congé demain. Oui, certain. C'est vrai. C'est un bon moment, le vendredi soir. La semaine est finie. C'est ta belle robe, ça, grand-maman? Je viens de la repasser. On est invités pour souper chez ta tante Annick. Chanceuse. Ça va être un vrai souper entre amoureux, hein? Ton grand-père puis moi, Michel puis Annick. C'est bien vrai. L'amour. L'amour. Voyons, François. Qu'est-ce que tu connais à l'amour, toi, hein? Des fois, je pense qu'il est en amour avec moi parce qu'il est jaloux de Michel, le premier de la classe, vu que Michel, il aime ça être avec moi. Jaloux à cause de toi, ouais. Grand-maman, je peux-tu prendre la confiture de fraises sur mon pain? Oh, change d'autre sorte, ça te fait rien. Prends garder jusqu'à la fin de la saison, hein? T'es prends plutôt de la compote de pommes. Okay. C'est celle que j'ai faite avec les pommes tombées puis qui est si bonne. Puis, vous allez faire après le goûter? Bon, on va aller finir notre part en arrière. Ah. Moi, j'aimerais mieux aller chez Elisabeth. On pourrait voir Jean-François puis après jouer au ping-pong. Oh, c'est une bonne idée, ça. Hein? Il fait noir tellement vite. Ça vous passe une bonne journée? Ben, moi, j'ai eu rien que des examens. Puis j'ai tout poché. Tu dis ça, mais en fin de compte, t'es passe. C'est juste pour avoir de l'air de pas étudier. Mais qu'est-ce que ça sent, donc? François! Mais qu'est-ce que tu fais? Débranche le grille-pain vite! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est une recette. Ça, c'est quoi, ça? Ben, c'est un gars à l'école qui m'a dit d'essayer. Là, tu mets le beurre de peanut avant de faire cuire le pain. Mais ça donne pas comme il disait, hein? Oh, le beurre de peanut avant. Mais ça a tout fondu là-dedans. Pour une fois que tu faisais la cuisine, c'est pas une réussite? Il faut tout nettoyer ça, là. Non, 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 laisse faire, t'as assez fait de dégâts. Tiens, prends du pain, du beurre de peanut. Je vais m'occuper de ça. Dépêche-toi de manger, on va jouer chez Elisabeth. Tu vois? Il n'est plus là. Il a dû entendre ta voix, puis il est allé se cacher. Ben oui, mais c'est pas ça, hein? Il peut pas rester, mais il faut absolument que je le voie. Je vais aller chercher. Hey. Salut, Joseph. Ben, j'allais te chercher. Justement, moi, j'avais pas le goût de te voir. Et après coup, je me suis dit, à quoi ça me sert? Claire, encore plus fou de même. Excusez-moi, il faut vraiment que j'aille voir à mon souper. Les enfants doivent avoir fini leurs devoirs. Bon, ben. C'est toi, Joseph. Hé! Puis. Il faut bien te faire, mon pauvre vieux. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi toute la journée. Et je suis venu comme ça. Pour te dire que je sais dans quel état tu es. Oh, mais crains pas. Crains pas, je te donnerai pas de recettes ou de conseils pour te raplomber. Non. Non, il y
avec le temps pour nous habituer à notre malheur. Prends-moi, il y a 2 ans, on ne s'est jamais me retrouver tout fin seul. Ben, la misère, à m'habituer. Avec le travail qui me fait oublier un peu mon mal. Le travail, puis la famille. Les parents, mes frères, mes sœurs, ma petite Anouk. C'est tout. Je voulais juste te dire que je sais dans quel état tu es. Et que je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai mal. Et que je donnerais ben quoi pour t'aider. Il faut... Faut que tu m'excuses, Joseph, parce que... Je suis pas du monde depuis quelques semaines. Mais là... Je pense qu'il va falloir que je me donne un bon coup de gueule derrière. Sauf que je sais pas quand, par exemple. Il faut que je me dise que... Il n'y a pas rien que mon malheur qui compte. Et mon orgueil aussi. Mais ça, le pire. Mon orgueil. C'est quand je me mets à bien y penser... C'est vrai qu'au fond, je suis plus chanceux que toi. Moi, après tout, j'ai rien perdu à la face puis de l'argent. Même si c'est déjà pas mal. Moi, je te dis, à l'idée de m'en aller dans le village, de parler aux gens, je suis comme pris de panique. Je vais donner ma démission à mairie. Être là, je voudrais me voir loin d'ici. Quitter la place, m'en aller où... où personne ne me connaîtrait. Ce qu'on prend pas, nous autres, c'est l'échec. L'échec d'un mariage. L'échec d'une affaire. Des fois, je regarde ma mère, Elisabeth, Berthe, madame de maison. Et je pense sincèrement que les femmes ont bien du rinqué. Bien de la force morale. Quand elles sont pas des enfants gâtés. Hey, je pense qu'au fond, t'as bien raison. Veux-tu que je vienne te chercher? Demain, à la fin de la journée. Ben, on irait barouetter un peu tous les deux en jasant. Peut-être bien souper en quelque part. Ben tiens, même à Montréal. Et faire une petite virée d'un cabaret. Hey. Avec des brosses, moi, je n'ai pris pas mal depuis quelque temps. Ça fait que je supporte plus bien ça. Ben, c'est affaire. On ira pas là pour se mettre sur une balloune. On va juste se distraire un peu. On va boire, mais juste ce qu'il faut. Pas plus. T'as jamais été un ivre? Allons. Ah ouais. On se paye tous les deux une petite vacance. Hein? On en a besoin. OK. OK. Viens me chercher demain. Après tout, je pense que t'as raison. On peut bien s'amuser sans se saouler la gueule, hein? Je suis content que tu sois venu. Ah, ben, je te dis, ma petite fille, qu'un souper de même, c'est bien mieux que dans n'importe quel restaurant. Vous dites ça pour me faire plaisir, Paul. Ah, oh, non, non, moi aussi, Annick, je pense comme ton père. Mm. Vraiment, vous nous avez reçus comme des rois. L'apéritif, le vin, tout. Comment vous avez fait ça en grand? Puis, c'était même pas pour de la visite, c'était rien que pour nous autres. C'est bien dans quoi, vous autres? C'est plus que de la visite. Oh. Chose certaine, on l'apprécie, mon garçon. Bon, à cette heure, on va prendre le digestif. Oh, hein? Pas pour moi. Sans ça, mon mari va être obligé de me porter pour retourner. Puis même s'il va un peu mieux, je pense qu'il y aura un brin de misère. Viens, on va s'asseoir au salon. Non, 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 pas question. Hein. D'abord, on va faire la vaisselle. Ah, non. Laissez ça, vous préparez celle. Jeanne, on fera ça tous les deux demain matin. Il n'y a rien qui presse. C'est pas raisonnable. Maman, laissez-vous donc gâter pour une fois. Ben oui, bon. En tout cas, vous avez bien fait de nous parler de Laurent Hubert. On se doutait bien que ça allait mal. On sent tellement un peu. Oui, c'est pas drôle ce qui arrive pour un homme comme Laurent, hein? Non. C'est pas toujours un gars facile, et puis il est pas mal orgueilleux. Non, mais pensez-vous, Antoine, qu'on aurait pu, en se mettant tous ensemble, l'aider à éviter la faillite? Mais non, qu'est-ce que tu veux? C'était bien inutile, hein? Comment voulais-tu que même à tous nous autres, on lui avance 100 000 $? Tant que ça? Ben, quincaillerie, ma petite fille, avec tout ce qu'il y avait là-dedans.
Puis l'édifice qui venait juste d'être bâti, c'était pas moins de ça, certain. Ah, oh, oui. Juste avant le souper, Joseph devait aller chez les Dantin. Je me demande s'il a pu voir Laurent. Parce que d'après ce que Marthe m'a dit, même eux autres, tout au long de la journée, ils le voient à peine. Tant qu'il n'est pas dans son bureau, et dans le salon. Tous les stores baissés. Oh! Oh, t'es fatigué, mon homme. T'as eu une grosse journée. Ah, c'est rien. Je peux pas me plaindre. Ça va de mieux en mieux. Bon. Mais je vous cache pas que j'aimerais se détendre un petit peu. Mais tout va correct. Je suis bien content, Esther, d'avoir accepté votre invitation. Hey, c'est la fin de mon épreuve, je le sens, là. Tout a marché comme sur des roulettes. T'as bien fait d'inviter tes parents, ça a eu l'air de leur faire bien plaisir. T'es invité toi aussi? C'est nous, quoi. On l'aime, notre maison, hein? Ah, à qui le dis-tu? On est des privilégiés, toi puis moi, hein? Mm-hmm. T'as-tu de l'allure? Être heureux puis s'aimer de même? C'est vrai, c'est comme un rêve. Seulement, le rêve n'est pas tellement vu. Avant, pour toi comme pour moi, ça n'a pas été facile. On s'aimait, puis on ne le savait pas. Oh, ben pardon, pardon. Parle pour toi, hein? Mmh. C'est vrai. Faut croire que j'étais pas mal plus bête que toi. Oh. En tout cas, on peut rien désirer de plus, sauf... Ben, sauf quoi, veux-tu bien me le dire? Sauf un petit enfant. Mm-hmm. Pour ça, on a bel temps, hein? Pas tellement. T'es vieux, toi. Hein? Attends un peu que je te fasse voir ça si je suis vieux. Tu sais bien que c'est pas pour ça que je dis ça. Mais quand même, pour le premier, faudrait pas tarder. Ah ben, quand même, à 27 ans, tu sais, je passerai pas encore pour son grand-père. Ouais, mais faudrait pas tarder. Ben oui, mais quand même, c'est pas défendu de profiter un peu du temps qu'on est tous les deux. C'est vrai, t'as raison. Mais autant te le dire, maintenant que je suis ta femme, je pense rien qu'à ça. Le jour où je vais être maman, où je vais avoir un petit enfant ben à moi, à nous. Tu sais, des fois, j'ai assez peur que tu les aimes trop, ces enfants-là. Comment ça, trop? Ben oui, puis moi, je passerai au second plan. Quand les enfants viennent au monde, on sait bien. Mais jamais. Jamais, Michel, t'auras ta place. Ouais, on dit ça. C'est pourquoi, quand on aime, on a tellement hâte d'avoir un enfant de celui qu'on aime. Mm. C'est parce qu'on espère que ce petit enfant-là va ressembler à notre amour. Oui. Mais attends encore un peu, veux-tu? Oui, encore un peu. Mais pas trop.